Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Enshrouded, toujours accompagné du grand, du magnifique, du sublime, Donge. C'est moi. Ah là là. On a des quêtes à faire, les gens veulent nous parler. Attends, parce que t'as oublié le plus important, à moins que tu l'aies fait avant que j'arrive. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'on a des quêtes en plus, c'est parce qu'il y a eu une grosse mise à jour. De 6 gigas. Et dedans, il y a du QOL. Alors moi, j'ai pas relancé le jeu du tout, mais toi, tu m'as dit qu'il y avait des trucs sympas. Alors, j'ai pas relancé le jeu. T'as juste lu, c'est ça ? C'est pas ? Voilà, j'ai juste lu la note. D'accord. Donc, on sait pas du tout ce qu'il y a. Apparemment, il y a du QOL, des nouvelles quêtes, et peut-être des nouveaux crafts. Oui. De nouveaux crafts, c'est sûr, je l'ai lu. D'accord. Du QOL, j'en ai lu. De nouvelles quêtes, je ne sais pas, je t'avoue, je me suis arrêté au Quality of Life, hein. Je me suis dit, super. De toute façon, quand t'as un truc de 6 gigas, ça fait 8000 lignes, t'as pas envie de le lire. Ainsi, les effroyables catacombes qui abritent les creux sont réels. Ma tante Eline avait l'habitude de nous raconter des histoires, mais vous la connaissez, une vraie conteuse celle-là. Si le vieux Balthazar les a vues lui-même, alors c'est vrai. Oh. Pensez aux matériaux, l'architecture, les trésors, j'aimerais mes petites jambes m'y emmènent aussi. D'accord. Alors, ah oui, il y a des nouveaux lits. Ah, il y a la chaise longue maintenant, un lit en ferraille. On ne pouvait pas faire avant. Ah non, c'est des trucs en bois de palmier, donc c'est peut-être des trucs qu'on avait déjà. On peut faire des fenêtres en bois de palmier. Oui. Oui, mais non, ça y était pas. Les fenêtres sculptées, on les avait pas avant. Ça me parle pas, non. Mais non, un truc en sculpté. Et je pense qu'en fait, ils ont ouvert un pan de map. Tu penses ? Eh ben, si tu ouvres ta map, non. Tu as une quête explorer les salles creuses, qui est à l'ouest, derrière un sanctuaire de la flamme, et qui est sur la partie ouest de la map, du coup, où on n'a jamais été. Je l'ai pas. Comment ça, tu ne l'as pas? Attends. Explorer les salles creuses. Attends, ouvre ta map. Oui, tu peux envoyer un ping. Oh, mais ça oui aussi, on se voit sur la map. Mais oui. Attends, si ça je aussi, mets... je l'ai lu et putain, ça fait du bien. Attends, si je mets un marqueur. Je mets alors un marqueur. Non, tu peux envoyer un ping, mais pas. Il me semble pas que le marqueur soit. Attends, j'ai envoyé un ping sur un marqueur que j'ai mis. Tu vois non. Le ping ? Je vois le ping, mais je vois pas le marqueur. Ah, dommage. Bon. C'est déjà bien, on peut mettre des pings. Ah oui, si, c'est parce que ton ping a la forme d'un marqueur. Mais oui, tout va bien. Non, j'ai vu ça, mais par contre, je peux pas supprimer le ping que j'ai mis. Ah, il supprime au bout d'un moment. D'accord. Oh, alors, explorer les salles creuses. Ah oui, je l'ai vu. Voilà, voilà. Ah oui, c'était beaucoup plus près. Moi, j'étais plus tout en haut de la map. Ah oui, non, c'est vraiment... On peut aller faire ça, hein. On peut commencer par ça, pour aller voir tout de suite. Très cher, l'alchimiste vous a demandé d'entrer dans les salles creuses. Faites attention aux creux à l'intérieur. Ces voleurs ont conspiré pour revendiquer une partie de la flamme. On a plein de bouffe. On peut faire de la terre à fleurs. Oui. Des plantes. Les plantes en pot, elles y étaient pas avant. Non. Les pots de fleurs, ça y était pas. Pareil, je peux faire des semis de feuilles vertes de la boise envoûtée. Oui, donc ça ils l'ont rajouté. Les ouais. Je suis sûr qu'ils ont rajouté les pots de fleurs. Les feuilles rouges de la boie envoûtée. Alors, à mon avis, la boie envoûtée, ça doit être une erreur de trad, hein. Ouais, je pense. Ouais. Semis de palmier yucca. C'est pareil. Là, t'as brume météore. C'est plutôt météore de brume. Mmh. Je pense. On peut faire un globe terrestre. Il y a de nouveaux boucliers. Bon, j'arrive. Mais c'est des pitis. Ouais, mais ça, on s'en fout. Il y a des nouveaux trucs. Ils sont pas moches.
Ah ouais, des petits boucliers. Il y a un truc qui s'appelle Désordre, c'est de la déco, des urnes, un bol à feu, une boîte à bijoux. Ouais, bah chez l'alchimiste, il y en a, c'est un globe. Le globe terrestre. Ah ouais? Ouais, tu peux faire un globe terrestre maintenant. Sympa. Bah écoute. Non, mais ça fait du bien. Voilà, il l'avait dit hein, qu'ils allaient rajouter du contenu. Alors, par contre, le globe terrestre, tu l'as regardé? Ouais, il faut du bronze. Oui, il faut 3 barres de bronze, mais c'est pas ça qui me choque. Moi, c'est la gueule du bronze, la gueule du globe. Pourquoi? Je sais pas, y a de la terre sur ton globe Mais non, c'est que de l'eau. ou on nage dans la brume? Alors, les pots de fleurs, ça se fait maintenant dans le séchoir. Là où on D'accord, fait c'est les logique. briques. Oh! Mais mon Dieu! C'est très bien ça! Mais oui, il y a plein de pots de fleurs. Les briques. Avant, c'était tu Ouais. mettais de l'argile, ça te faisait 5 briques. Ouais. Maintenant, tu peux les faire une par une ou 10 par 10. Ah oui, Si ils t'as en besoin ont de parlé 13 aussi, qu'on pouvait briques. les mettre en paquet. Ah, c'est bon ça. Ah, ils ont fait ça pour tout. Oh oui, je Et vous avec aime. la chasseresse, on peut maintenant teindre nos tissus. Ça, c'est cool ça. C'est joli. En vrai, c'est très bien ce qu'ils ont fait là. Alors la substance blanche lumineuse, je ne sais pas si on l'a débloquée au dernier épisode ou si ça vient de là aussi. Ça me dit rien, substance blanche lumineuse. Bah moi non plus. Cadre de fenêtres ronds en bois. Mais c'est des fenêtres tout court qu'on n'avait pas en fait quand j'y réfléchis. Ouais, c'était les fenêtres de base. Non, non, on n'avait pas de fenêtres tout court. Mais si, regarde. Si? Si. On a des petits D'accord. cadres de fenêtres là que j'avais crafté avec le tout premier Ah bois oui. en brindille. On va pouvoir se faire des fenêtres sculptées. Tout à fait. Pourquoi pas? Ah non, mais c'est trop bien ce qu'ils ont fait. Voilà. Le jeu se bonifie déjà. Non, mais ça, c'est bien. Ça, c'est des mecs qui bossent. Bon, on va dormir et puis on va dans les salles creuses. Ouais. Ferme la porte quand même. Hein. Putain, il faut que je change ce casque. C'est pas possible. Je préfère ne pas avoir d'armure qu'avoir ce casque. C'est mort. C'est bon. Attends. Ah non, ils ont pas amélioré ce lit. Au niveau du placement pour où il est noté dormir. Non. C'est important de le savoir. Allez. Les salles creuses, c'est par là. Non, c'est absolument pas par là. C'est par là. Mais non, mais forcément, j'ai pas mis. Ah oui, mais c'est vrai, c'est un ping maintenant, le premier truc. Allez au journal. Ah, tu peux plus suivre depuis la carte, par contre. Ah bon? Non. Ça met un ping, sinon tu dois aller au journal et faire suivre depuis le journal. Ah ouais, c'est dommage ça par contre. Ouais. Pas. Après, on peut toujours mettre un marqueur dessus. Oui, après, voilà, bon. On va pas dire, voilà, ils font des efforts. Ils peuvent pas penser à tout non plus, quoi. Après, tu peux pas non plus tout faire en même temps. J'ai ramassé le miel. Parfait. C'était le but. On peut pas tout faire en même temps, quoi. Non, 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 non. Voilà, un moment. Moment, il faut leur laisser le temps aussi. On rappelle que le jeu est toujours en early access. Je crois que c'est 0,7, c'est ça? Ouais, c'est la 0.7 là qui est sortie. Donc on est encore très très loin du jeu final. Hein. Je suis déçu, tu ne le tues pas en un coup, le monsieur. Ouais, hein, moi aussi je suis déçu un peu. J'ai vu du petit bois voler derrière moi. Ah, il n'y avait pas que le petit bois. Je pensais pas que j'allais mourir. N'y a pas que le petit bois qui a volé. Il y a des morceaux d'Akatsuki aussi. Je me disais aussi que le petit bois il fuyait un peu.
Attends, je retourne à la maison parce que forcément j'ai perdu les buffs d'endurance. Cet homme, je vous jure. Toujours en train de faire des conneries, ce gars-là. Ah oui, on peut s'asseoir aussi maintenant, apparemment. Ah bon? Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, on peut s'asseoir sur les chiottes maintenant. Il y a les chiottes. Bah oui, il y a les chiottes. Il y a toujours eu des chiottes. Ah oui, c'est vrai, il y avait des chiottes planquées dans les coins. Et on a 36 minutes maintenant de... Attends, si je m'assois sur le chiotte, ça fait quoi? Bah non, j'ai toujours le cul qui passe dans le chiotte. Ah oui, ça après... T'as le cul lourd, hein? Ah bah, j'ai un gros cul, hein, c'est comme ça. Le quintal, mon ami, le quintal. Très bon, très bon. J'adore le fromage. Ah bah oui, il n'y a pas longtemps, je me suis refait une raclette. Alors, votre avis sur la barbeclette, les gens? La barbeclette, c'est-à-dire? Une raclette de barbecue? Tout à fait. Ah, j'ai jamais essayé. Avec les patates dans la cendre et la viande qui cuit par le dessus. Oh là 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 là. Bah écoute, j'essaierai. Et ouais. Moi, c'est plus le camembert que je mets dans les braises. Alors, non. Pourquoi? Parce que j'aime pas le camembert. Ah oui, non, mais si t'as pas de goût, c'est ta vie. Du coup, non. Non, mais un petit barbecue braisé, hein. Mais de toute façon, c'est pas dur. Tout est bon tant que tu mets barbecue devant. Machin au barbecue, bah c'est forcément bon. Ah. Bah c'est cuit au feu, hein. Ah, après, poireau au barbecue, tu vois, je suis pas sûr que ça les attire plus que ça, hein. Bah il faudrait essayer. Il doit y avoir moyen de trouver quelque chose. Petit barbecue à la crème. Petit poireau à la crème au barbecue, là. Dessus, tu mets... Puis tu sais, t'essayes de faire comme un gratin. Tu sais, avec un peu de fromage et tout, là. Mmh. Si, ça doit être bon, ça. Merde, j'ai faim. Le problème, c'est que je viens de manger. C'est ça, on a posé les fourchettes il y a une demi-heure. C'est ça, mais dommage. On a refaim. Ouh. Ah, ça a pas loupé, hein. C'est mes chevilles qui ont touché. Hein. Ah, par contre... On a des nouveaux bugs de avec le glider. Ah bon? Bah en fait j'étais planté dans le sol avec les pieds qui dépassaient. Ah sympa. ça a l'air d'être par là. Hein. Sur la gauche. Ouais. Ouais je pense qu'il faut suivre la route. Hein. Ça me paraît pas mal comme idée. Ouais. Tu crois pas que ce serait une de ces maisons qui étaient fermées, qu'ils ont ouvertes? Une maison, je suis pas sûr. Je crois que c'est dans la grotte, en fait. Les grands bâtiments noirs, là, il y en a qui étaient fermés. Est-ce que ce serait pas ça qu'ils en auraient pas ouvert un, hein? Non, je pense que c'est plus de l'autre côté. C'est au niveau du sanctuaire de la flamme. Peut-être, hein. Il y a peut-être une porte dans ce coin-là. Après, ils peuvent rajouter ce qu'ils veulent, hein, c'est leur jeu. Tout à fait. Alors par contre, ce qui est là où on peut dire qu'on est content, c'est que la grosse mage n'a pas fait sauter les saves. Ah oui, alors ça fait toujours plaisir. Parce qu'on connaît merci des à jeux... ceux qui pensent aux ceux qui jouent. Voilà, on connaît des gens qui s'appellent Paradox, qui adorent faire sauter les saves. Il y a du monde là-haut. On connaît pas ça. Tu connais ça toi? C'est quoi ces trucs électriques là? Je sais pas, mais c'est pas solide. Bah après, d'un côté, ils sont niveau 3 et on fait 200 de dégâts quand on les retape dessus. Donc. Alors, ça donne des écussons de fourrure. Oui, c'est de la chauve-souris. Non, mais c'est de la chauve-souris électrique. Apparemment, c'est au-dessus. Attends, j'ai un truc ici. Non. Ça, on l'a déjà vu, par contre. Oui. Bah écoute, on va prendre la petite étincelle parce qu'on est là. C'est pas des animaux. Donc ça serait au-dessus. Ouais, c'est derrière. Ouais. Alors, comment on fait pour monter là-haut?
Ah, ou faut peut-être continuer la route en fait. Après, au-dessus, ça veut dire quoi? 5 mètres au-dessus, 20 mètres au-dessus, 300 mètres au-dessus? 200 a priori. Plus loin. Ah. Je vais faire le tour du caillou, moi. Le Tu sais, tour par du le... caillou. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y avait le truc de l'alchimiste qui était par là? Youhou! Ouf. Dovahkiin, 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 Merci. t'as vu ça? Ah, on peut monter par là. Bon, je te laisse C'est bon, gérer, hein, j'ai de toute tué les façon. loups, hein. C'est des mecs niveau 1. 3, s'il te plaît. Ah. T'as pas l'air d'être par là. C'était peut-être dans la grotte, hein, du coup. On peut aller voir dans la grotte. Que ce soit dans le... Regarde, il y a un trou là. Y a un coup, bah trop tard, je suis parti dans la grotte. Il y avait une grotte là? Je suis parti, j'ai redescendu pour remonter dans la grotte. Ah J'ai un non. truc avec des araignées ici. Je te laisse traiter avec les araignées. Vas-y. Ah, tu vas pas avoir besoin de moi? Aidez-le! Monseigneur, aidez-le! Alors, j'ai un arc épique. Il fait 12 de dégâts. Ça doit être à peu près ça, hein. J'ai tué les leux, monseigneur. C'est vrai. Oui. Bon, je reviens. Après avoir ouvert cette porte secrète. Une porte secrète? Oui. Comme ça, je trouve un bâton rare dedans. Il doit faire 15 de dégâts, allez. Ouais, mais là, il y a une machin de brume qui a repop. Celle-là, on l'avait tuée. Oui, on l'avait tuée. Du coup, elle est où l'entrée de la grotte que t'as trouvée? En Je haut? sais pas, c'est la racine de brume. D'accord. Non, mais les gars, m'approchez pas, vous allez mourir. Je vous tue sans vous frapper. Arrêtez de venir m'emmerder. Je vous touche même pas que vous mourrez. Mais non, mais c'est vraiment ça en plus. Oui, c'est vrai, il y avait ça ici. Ouais, non, c'était pas dans cette grotte-là. Les salles creuses. Attends. Oh, dites-moi, j'ai trouvé d'autres chauves-souris. Et imagine, il faut faire le tour depuis le désert. Non, pas depuis le désert. Non, mais tu sais, là où... Il y a un endroit où il y a de la brume rouge, tout au nord. Et qu'il faut passer par là et faire tout le tour. Non, je crois pas. On est peut-être dans une caldeira, hein. Aïe. Après, un peu plus haut, il y avait, mais beaucoup plus haut, même, il y avait une grande porte là. Pas du À tout côté d'où tu parles. de, à l'ouest de la crypte des anciens, pour la fermière, au Alors, nord ouais. de l'alchimiste. Il y avait une grande porte là-bas. Au nord des mines de sel? Ouais. Là-bas, il y avait une porte. Il y a toujours. Et où? Mais sur ma map, c'est rouge. Je sais pas, je la vois même pas. T'as peut-être pas été jusque-là. T'as le camp abandonné de la chasseresse là? Ouais. T'as le sanctuaire de la flamme qui est juste à l'ouest? Ouais. Et ben là, juste par là à l'ouest. Ouais, peut-être, ouais. C'est ce que je me disais en voyant la map. Il y a une grande porte là. Mais si c'est rouge, il faut qu'on aille tuer le nouveau boss. Peut-être.
On peut toujours aller jusque là-bas. Je vais me TP à la tour la plus proche. Elle est où? Dagada tout en soin. Ce serait pas Il est la haut de tour des bois pâture? envoûtés? Les bois envoûtés? Sais pas. Je pense les hautes pâtures, moi, mais. Les hautes peintures. Ouais, les hautes pâtures, hein. Ah, il y a des montagnes entre. Ouais, tu vas me dire. Si je pose un marqueur là. C'est là-bas qu'il faut aller. Tata yo-yo! Bah, éviter d'aller dans la brume quand même. Ouais, c'est un peu. C'est un peu dedans quand même. Hein. Dans la brume? Bah, juste au bord, quoi, je crois. Aïe! Les viewers auront compris pourquoi j'ai dit aïe. Y avait un arbre. Non? Figure-toi que j'ai littéralement foncé dans un mur. D'accord. Voilà. Mais c'est une bonne méthode pour s'arrêter. Oui. Ça stoppe le joueur, on va dire. Oh, pas que le joueur. Hein. Ah ouais. Ouais, non, 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 non. La caméra avec. Ah ouais. Bon, je vais sauter des hautes pâtures aussi. Hein. Ça a l'air mieux que ce que j'ai Oui, fait. j'allais dire, je t'ai vu passer. J'ai vu ton pointeur passer d'un côté à l'autre. Je me suis dit, tiens. Et t'es plus vite que moi. Mais ça, c'est le talent. Et si c'était par là? On va éviter de se manger les arbres quand même. Après, il y a un petit peu de chemin à pied quand même, hein. Je la vois. Tu vois quoi? La porte. Tu vois la porte? Et j'ai des ennemis niveau 9 à côté de moi. Attention, ils sont 3 fois plus forts que tout à l'heure. Hein. Ouais. Ça va aller? Je vais essayer de faire avec, hein. C'est jamais. Là, moi, je vois un puits de l'exil. Il faut passer à côté du puits de l'exil, d'accord. Ah, il faut aller vers la petite maisonnée là-bas? D'accord. Bon, j'ai des bris et des maraudeurs. M'en fous un peu. Passer à côté tranquillement. Et là, c'est par où? Je crois que je suis pas du tout à la bonne altitude. Je suis à la porte, je jette un œil et s'il y a quelque chose, je te mets un hôtel. Où j'ai cru voir une texture qui avait l'air de dire tiens, c'est ouvert. Oh, j'arrive. T'es tout à l'ouest de moi. Ah ouais? Je suis à Westcott. Alors, je suis devant la porte. Et pourquoi t'as été jusque là-bas, toi? Je sais plus. Oh, il y a une mine là.
Ça n'a pas l'air d'être ici, hein. C'est une mine de quoi? Je ne sais pas. Tu parles de ce grand ouvrage mural? Tout à fait. Ça a l'air de mener aux montagnes et ils ont dit qu'ils n'ont pas encore mis les montagnes. D'accord, bah, je ne sais pas. N'empêche, le jour où ils mettent les montagnes, moi je verrais bien une invasion, tu sais, de Yeti ou des conneries comme ça. Du Yeti, Mais oui, non, carrément. mais voilà, de monstres des montagnes. Et donc les portes, elles sont défoncées, t'es des boss à tuer pour aller jusqu'aux montagnes. Et est-ce que t'as essayé quelque chose? Attends, je vais essayer. Toc toc toc. C'est la pizza. Ah, ça ne marche pas, ils n'ont pas ouvert la porte. Bon. Ils n'ont pas dû commander de pizza. Alors, voyons voir. Faisons quelque chose d'assez inattendu pour le viewer. C'est-à-dire. On va ouvrir le journal et lire la quête. Oula. Le viewer va en être bouche bée. N'est-ce pas? Ah oui, derrière c'est rouge. Emplacement, machin. L'alchimiste a révélé l'emplacement des salles creuses à proximité. De grandes cryptes souterraines qui servent d'emprisonnement aux creux. Des vestiges squelettiques ambulants. Découvrez l'emplacement des salles creuses dans les hautes pâtures et démasquez les secrets qu'elles cachent. Alors, j'ai mis mon marqueur de quête dessus. Qui me renvoie bah, directement en bas, hein, forcément. Passer 1 heure à trouver un trou dans la montagne. Truc de fou, C'est un jeu d'exploration. Mon Dieu! Que vais-je faire? Donche! quoi? Il y a des leux! Ils sont niveau Je suis 9. parti. Ils tentent de m'attaquer. Nouvel emplacement cartographié, pardon. Oui, j'ai trouvé la ferme des Ferning. D'accord. J'ai cru que c'était moi. Il y a des leux niveau 9. Il a changé de couleur. Le. Non, mon invocation avant elle était verte, maintenant elle est rouge. Ah d'accord. Ah oui, maintenant c'est comme ça. D'accord. Pour ouvrir les coffres. D'accord, On maintenant saute c'est en bas, dedans c'est plus toujours. en haut à droite. D'accord. Encore? Ouais, c'est parce que je viens de lire un truc. Fini, j'en ai assez. Depuis 2 semaines, je me plains des loups. Ils sont un peu plus audacieux chaque jour. Promis par tous les saints et le bon que je vais te laisser dans la poussière avec juste du seigle et de la soupe. Là, je vais être attaqué par des loups, c'est ça? Ok. Ouais, il se déplace beaucoup plus vite maintenant le. Les invocations. Ah ouais, Ouais. sympa ça. Ouais, non, si, si, c'est beaucoup plus rapide, ouais. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Ah, cool. Nice. Ah non, c'est l'endroit où il y avait la racine de brume. Mais c'est là que ça me mène en fait. Oui, la racine de brume que j'ai détruite là. Ouais. Ah, sinon, on creuse la montagne. Hein. Ou On creuse 200 mètres vers le haut. alors c'est dans les arpents paisibles qu'il faudrait aller chercher. Il y aurait un truc caché, un genre de tunnel à la con qui mènerait jusque là-bas. Peut-être. Possible. Tu regardes, il faut combien de nains pour creuser 28 mètres dans du granit? Standard. Avec des pioches standard. Tout dépend du nain. Et
Si on nous met tous les deux, il nous faudrait combien de temps pour creuser 200 mètres dans du granit? Je ne suis pas un nain. Oh là là, oh là là, le AK qui tente de glitcher. Va-t-il passer à travers la texture? La caméra l'a fait, mais pas le personnage. Bravo à lui. Ça c'est dès-le, la caverne de tout dès-le, à l'heure. Monseigneur. Si je suis tout simplement le marqueur. Mais tu n'es des pas fois, le marqueur, tu marche. Es tonche. Ah. Olé. Il y a des araignées qui naissent. C'est par contre, ils ont amélioré le Dovahkiin. Ça c'est bien. Ah ouais. Bah oui, j'ai l'impression que quand tu fais ta pirouette après après le glider, elle va plus haut. D'accord. Ah, mais c'est une autre quête. Emplacement ci-dessus. J'ai une autre quête juste devant moi. Ici. Alors, emplacement ci-dessus. Attends, je vais faire... ci-dessus. Attends, je vais faire une quête de niveau 5, j'arrive. Ah. Ça va aller ou tu veux un coup de main? Ça devrait aller. Emplacement encore et toujours ci-dessus. Ah, ils sont niveau 9, pardon. C'est pas niveau 5. C'est donc encore plus fort. Après, j'ai pas lu la quête donc je sais pas ce que je dois faire. Ah, si, ouais. Voilà. J'ai terminé la quête parce que j'ai ramassé une torche. Voilà. Parfait. Moi, je trouve que c'est une quête rondement menée. C'est ça. Il fallait que je tue trois loups et ramasser une torche. Voilà. Bref. Ah. Ah, aurait-il trouvé quelque chose? C'est probable. Attends, j'arrive. Là. Vas-y. Plus par là. Hein. Non, 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 non. Juste là. Ah oui, d'accord. Ah bah sinon moi j'allais sauter et faire un vol. J'allais m'envoler vers toi. Car... Ouais bah justement je préfère que ça soit moins lyrique. Et car tu es l'étoile de ma vie. Attends, j'éteins la flamme. Oui, parce que c'est le dernier dispo. Ok. Oh, ça monte. Par contre si en haut il y a un tunnel, moi je m'enfuis hein. Tu sais ce qu'on dit quand on dit on monte, on monte, on monte et en haut le tunnel. Souvent il y a des araignées géantes. Hein. Oui, bon, ça après. Ça se passe bien. Bah, ça dépend. T'as pris une fiole de lumière avec toi ou pas? Non. Bon, bah voilà. Ah oui, 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 c'est clairement là. Oui, oui. C'est... Ça me fait penser à la Chine impériale, mais c'est peut-être juste les couleurs. Ouais, 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 ouais. Rouge et gris comme ça. Il y a un peu de vert et tout. Par contre, j'ai les textures qui chargent au fur et à mesure que j'avance, c'était, c'est alors, bizarre. Pas mieux. C'est la première fois que ça me fait ça. Salle creuse. Ouverture de porte. Bonjour. C'est ouvert. Dans le sens couleur. Ce sont plus que des légendes après tout. Les salles creuses existent et à l'intérieur d'elles résonnent les mélodies d'une époque révolue. Souvenir d'un temps où régnait un ciel dégagé et où on avait l'impression d'être à l'abri du vent et la brume sommeillait encore en bas.
Ces salles d'origines inconnues existent depuis des millénaires, mais leur architecture diffère de celle des anciens. Le plus curieux, on dit que les cryptes servaient de lieu de bannissement de tous les démunis de la société. D'accord. On va trouver des pauvres, mais nous on veut de l'argent. Des pauvres, des pauvres. Les bons, ils sont chics. Hein. Bah ouais, hein, les démunis, ça va. Hein. Il y a un truc Ah. bleu, il y a des ennemis. Ils sont Alors, niveau est-ce que c'est 10. anecdotique ou... Aïeux! Ah, les verts, c'est pas les miens. Ça va. Il est parti avant. Alors, Fragment amis d'ectoplasme. Ne regardez pas. Ne regardez pas les murs. Voilà. Sur les murs. Fragment de marbre rouge. Lotion de protection contre Lotion la de glace. Protection. Hein. Existait ça? T'as vu les fragments d'ectoplasme aussi? J'ai pas vu. C'est un nouveau truc ça, non? C'est un TP vert. Bah go. Ça me dit rien qui va, et d'habitude ils sont rouges. Ouais, vert c'est qu'on peut y aller. Hein. C'est vrai qu'on s'est jamais posé la question d'aller dans les rouges mais pas dans les verts. Oh, encore du fragment de marbre. Lotion de protection contre la glace. Potion de mana, tiens, c'est pour toi ça. Ça existait les potions de protection contre la glace avant? Oh, c'est joli comme armoire, je veux la même à la maison. Je pense qu'on pourra le faire, hein, puisqu'ils ont fait ça avec les trucs du jeu. Il y a un truc pour régène. Du marbre. Potion de soin. Tiens, attends, je t'envoie tes potions de mana. Attends, je vais t'envoyer le marbre rouge tout de suite. Aïe! Aïe! C'est fini, oui? Ils ont attaqué, les salauds. T'as vu, ça c'est un truc pour réparer son équipement. Ah ouais. Bien vu, parce que la masse, elle avait pris un petit coup déjà. Je pense que ça, ce sont des ennemis invoqués, parce que ça loot rien. Si, ça loot des os. Bah, j'ai pas vu. Ils font des éclairs. C'est quoi ce machin? Vert qui flotte. Je sais pas, tire dessus. Je peux pas tirer dessus, ça passe à travers. D'accord. Quoi? Consommer quoi? Le machin noir au-dessus là qui fait ça? Ben, je sais pas, il a noté un truc hein. Bah ben ouais. Consommer, c'est ça qui est noté? Commencer à planer. Ah oui, oui. D'accord. D'accord. Ouais, on a consommé aussi, ouais. Ouais, un oh. petit peu. Oh! Barrière de... Ah! C'est des trucs pour. Bien la... vu! D'accord, nice! Ça, ça n'existait pas avant, c'est sûr. Ah, regarde, ça court, ça court. Ils font un marathon, je crois. Ça court tous les jours? Par contre, c'est pas forcément bon signe quand ça court comme ça. Ça fuit peut-être quelque chose. En avant! Nous avons abattu des dragons. Nous n'aurons pas peur d'une chimère. Par contre, si tu pouvais passer devant moi. Ouais, par contre, je sais pas ce que j'ai consommé. Un truc, mais alors quoi? Attends, c'est quoi ça? Un truc qu'on peut miner ça?
Ah, c'est une notion de protection contre la glace que j'ai consommée, d'accord, parfait. Ah non, c'est un mur. J'ai l'impression qu'il n'y a rien par ici, hein. Ouais, ça a l'air d'être très... très mural. Il y a une porte là où il y a un tunnel là. Suivons ce couloir. Tu sais à quoi ça me fait penser quand tu vois notre taille et les bâtiments? Au Non. bâtiment des nains. C'est vrai. À chaque fois dans les dans la fantasy, les nains ils construisent des trucs immenses. Oula, mais c'est qu'il y a du monde ici, dites donc. Bonjour messieurs, comment vont tout le monde? Regarde le petit truc rouge, la petite tête rouge, c'est le mien. Attends, parce que depuis le temps que je dis qu'il faut que je règle le son du jeu, c'est toujours pas fait, du coup, qu'est-ce que tu disais? Regarde, les petites têtes rouges là. Ouais. C'est les miens, regarde comment ils se déplacent plus vite maintenant. Ah oui, c'est pas les mêmes, oui, effectivement, hein. Ah, ils se déplacent un peu plus vite, hein. Alors. Il y en a un à gauche, là. Je marche dans le vide. Marrant. Parfait. Je suis donc Jésus-Christ. Je suis pas sûr qu'il marchait dans le vide. Hein. Et marcher sur l'eau, c'est pareil. Oh. Oh, ils sont un peu plus costauds, eux. Ah, ils ont un peu plus de vie, quoi. Voilà, regarde. Eux, ils lootent des fragments d'ectoplasme. Ah, il y a de quoi réparer le matos en haut. Je vais prendre ces fragments d'ectoplasme parce que je sais pas à quoi ça sert. Certainement dans l'alchimie. Oh, ça m'étonnerait qu'à moitié, oui. Bien vu. Bonjour. Il y a un truc pour revivre. Deuxième. Est-ce que ça serait un truc de donjon sans fin? Ouais, je pense pas, hein. Ça me fait un peu penser à ça, les salles à palier. C'est le premier donjon qu'on voit avec plusieurs plusieurs respawns. Ah non, regarde, les ennemis ont toujours le même niveau. C'était un truc de donjon sans fin, il serait de plus en plus fort. En théorie. Ah, il y a une barrière ici. Pauvre petit, tu l'as tapé dans le dos. Ah, il fallait tuer tout le Barrière monde. déverrouillée. Ah bah attends, là il y a un truc à lire. Ah oui, bien vu. Nous sommes très loin du compte, mon ami. Peut-être pensez-vous comme moi, un pouvoir illimité, une vie sans fin, une lumière éternelle qui mijote dans le silence, enfermée dans les clochers et les sanctuaires. Quoi peut-elle servir, je vous le demande. Pourquoi ne pas se tendre la main, compagnon, gardien du flamme? Gardien du flamme? Non, gardien de la flamme. Oui, Les la profondeurs nous trad a été appellent. faite vite fait, hein. Approchez-vous et prenez ma main. Oui, bah après, le jeu est encore en early access. Et en vrai. J'avais pas vu, j'ai la peau enflammée, dis donc. À quoi? J'ai un buff qui s'appelle peau enflammée, alors j'imagine que c'est la potion de protection contre le froid de tout à l'heure. Peut-être. Après, la langue française, c'est vraiment de la merde hein, pour des étrangers. Non, pas que pour les étrangers, mais. Hein. Ouais, y'a un creux là, je crois. J'ai chu. Tu m'excuses, je vais aller fouiller un peu, hein. Ouais, bah moi je vais aller fouiller en bas. Hein. À tout à l'heure. Non, bah en fait, y'a rien.
Moi, j'ai des gens. Waouh! J'ai de la pierre rouge, mais qui est verte là. Ah oui, lui, il est allé direct dans le combat. Alors, moi, j'étais en train de regarder. Regarde, viens voir. Ah, il faut que je teste, hein. La pierre verte en bas. Il faut que je teste. Ah bah de toute façon, il faut y aller. Parce qu'il y a un... Ah bah oui. Bon. Ça pue du cul. Oh, ah, aïe, 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 Ça a l'air, aïe, hein. aïe, aïe. Ça brûle? Ça bouffe ton endurance et ça t'enlève de la vie. Ah, parfait. Voilà. Ça se mise? Quand je dis ça bouffe ton endurance, c'est que tu n'as plus d'endurance instantanément. Ça se mine? Je ne sais pas. J'ai pas essayé. Attends, j'y retourne. Ah oui, j'allais dire quand même. Substance visqueuse toxique. Ah, voilà. Y aura certainement moyen d'en faire quelque chose. Un jour. J'en prends un petit peu. Ça, c'est quoi? C'est des os. Des Ok. os. Et des os, pas des os. Ben, j'ai pris un peu de substance toxique. On verra ce qu'on peut en faire. Parfait. On n'a pas ouvert du coup ici. Ben, je sais pas, il doit peut-être rester une rune. Il doit rester une rune dans un coin, effectivement. Là-haut? Ah, elle est là. J'en ai une là. Non, là c'est. Si, j'en ai une là aussi. Un sarcophage lootable. Oh. Il y en a deux ici. Oh, j'ai des flèches d'os. Je vois pas comment on les atteint. J'arrive. Comme Omar? Ah oui, en haut là. Ouais. Par là? Ah, ça doit être par là. Hop, 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 hop. Ouais, c'est par là. Ah, Oh! et il y en a une de chaque côté, c'est ça? Ouais. Et j'en ai une là aussi. Je suis au-dessus, hein. Ouais, t'es passé par où du coup? Bon, en fait, t'es passé à côté d'un crochet. Bien vu. Je fais celle de droite. Du coup, je vais à gauche. Il y en avait une là au milieu de ce pont. Également. Nice. Ça est bon? Apparemment. J'ai pas eu le message. Si, 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 si. Mais regarde là, tu peux descendre et essayer la petite substance toxique là. Oh, ça va aller, ça va aller. Ah, mais juste pour que tu vois à quelle vitesse ton enduit elle disparaît. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. C'est effectivement... C'est légèrement rapide. Ouais. Donc, fais note à soi-même ne pas tomber dedans. Encore un truc de revive. Ouais, tu vois, c'est... Et encore un truc pour réparer ces objets. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, ça sent les pièges, hein, par là-bas. Bah là, il y a un autre endroit. Allons par là. D'accord. Tu crois que ce serait des trucs infinis générés Je procéduralement? sens... Alors, pas forcément procéduralement, mais...
Il va y avoir un paquet de niveaux où aller farmer. Ok, j'ai trouvé des scales. Ouais, quoi? Des Des squelettes. Ah squelettes. oui. Ce skill est beaucoup trop fort. Lequel? Celui qui fait que il m'attaque moi. Ah bah oui, il te charge, c'est moi qui ouvre la porte et Les gars, il te... ils traversent toute la salle pour venir me chercher, quoi. C'est ça. Flasque de survie à la brume. Pendant 45 minutes, oui, bah ça c'est... Aïe! Menace à proximité. Il y a moyen de se perdre dans cette connerie. Je saurais même pas retourner à l'entrée. Surtout que là on est tombé, donc je sais même pas si on peut remonter. Oh, j'imagine que oui quand même. Bah, de toute façon on n'est pas dans la brume. Oui. Un canal d'os, je sais pas ce que c'est. Un canal d'os? C'est un... Ah, c'est un sort. Ah d'accord, Il y a de la lumière ici. C'est des missiles tête chercheuse. Sympa. Il y a des torches ici. Enfin, c'est des missiles tête chercheuse, c'est lui qui a noté que ça suit les ennemis quoi. Oui. Menace à proximité. Alors attends. Chauve-souris. Ah mais ça donne des fragments. Ah puis elles sont nombreuses en plus. D'accord. Le sale bête. Là il y a des mines de fragments d'ectoplasme. Possible ça, hein. Ça là. Des fragments d'ectoplasme. Ça va peut-être servir à un moment. Très certainement. Mais ça, c'est clairement un nouveau truc. Enfin, on n'avait jamais entendu parler de ce truc-là. On est revenu dans la première salle. Non. Si, si, juste après. Celle-là, on en vient. Ah bon? Ah oui, il y a un cadavre. C'est quand même pratique, les cadavres. Hein. Ah, bah là aussi, du coup. Il y a des pièges. Aïe. Moi, j'ai réussi. Pour une fois. On peut monter un escalier. Un bouton. Qui ouvre la porte. C'est assez inattendu pour un bouton. Venez ici. Vous avez réussi à aller loin. J'ai eu raison de vous faire confiance, mon bienfaiteur. Pourquoi rester lié à des chaînes terrestres? La corde rouge du destin est nouée autour de votre cou et de vos poignets. Entamant votre chair, vous êtes déchiré par les crochets du destin. Ancré entre vos côtes, libérez-vous. Trouvez-moi dans cette mer d'âme. Quoi? Voilà. C'est rien, je me suis fait surprendre par un chien derrière la porte, mais la porte ne s'ouvre pas. Ah d'accord. Je croyais que tu t'étais fait surprendre par une porte. Non, 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 non. C'est une très belle porte, hein. Mais moi, quand je même. Et je dis ça sent le boss, hein, parce qu'on nous dit c'est bien, vous avez réussi à aller loin et tout. Cherchez-moi dans la mer des âmes. Bah, écoute, moi personnellement, quand quelqu'un est dans la merde. Je n'y vais pas. Parce qu'après je suis sale. Même s'il y a des âmes. Voilà. Hein. Attends. Il y a quelqu'un au bout du couloir. Il y a un chemin par là. Il y a quoi ici? Des richesses? On peut redescendre dans un amas vert dégueulasse.
Ouais, je crois que c'est la sortie, hein. Je pense que c'est par là qu'on remontera, ou presque. Ou alors c'est le monsieur au bout du couloir qui va ouvrir les portes. C'est possible aussi. Je sais pas, je vois personne. Effectivement, il a bougé. Par contre, j'ai vu du mouvement au-dessus. Confirmé. Et elles sont nombreuses. Dites, messieurs, c'est moi qui ai le skill, hein. Oui, s'il vous plaît. Il y en a encore. Il est mort. Oula! Il y a un monsieur avec une faux. Tu quoi? Il y a un monsieur avec une faux. Ah bon? Ouais. Et au secours. Ouais! Ah, il y a du monde derrière. Hein. Oula, oula, oula. Ils sont très très nombreux là. Vite. Heureusement qu'ils sont niveau 10, hein. Ah oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Bah après, c'est comme le zombie, hein. C'est faible, sauf quand ils sont 12 000. Hein. Saloperie de clébard. Aïe, mais me pousse pas, toi. Après, moi, j'ai pas mangé non plus. T'as pas mangé? Non. J'ai pas pris mon petit gigot de sanglier. Tu as ce qu'il faut ou tu en veux? Oh non, non, sûrement j'en ai. J'en ai 49. Oh oui. Tu as pris de quoi tenir un petit sandwich, quoi. Bah écoute, on ne sait jamais, une petite fringale sur la route. Et tu as gagné un monsieur avec une faux qui te fonce dessus, par contre. Dis donc, t'es particulièrement beau, toi. T'avais une belle armure, je la veux. Attends, il est où, parce que... Il avait pas d'armure sur son cadavre. Ah, la déceptitude. Mais il avait une rune dans son nom. Aïe, mais... de me taper moi, j'ai rien fait moi. Aïe, ouïe. J'ai pris la max. Oh, j'ai des capsules d'invocation de crâne. Sympa. Lancez cette capsule mystique pour invoquer temporairement un compagnon crâne. Pourquoi pas? Il y a encore des runes à trouver. Oui. Oh, tu brilles violet, toi, là-bas. C'est le coffre. Il y a des blocs. Ah, des blocs de salle creuse. Ah, sympa. On peut les construire maintenant, à base de quoi? Mais non, c'est à l'établi, je suis con. J'ai plus mes petites notifs comme quoi on peut construire des nouveaux trucs ou quoi. Ah bon? Bah ouais. Ça doit venir de la mage. Parce que moi je l'ai eu donc. Ouais, mais vu que c'est toi l'hôte. Attends. Et si je te fais ça? T'es trop loin. Tu l'as eu ou pas? Non, non. Vas-y, loot-les. Non, non, ça ne me met rien. Ah, ok.
L'arc niveau 10. Oh, bah, rune, hein. Ah, par contre, tiens, pas trop loin. De quoi, hein? Regarde ça. Et des flèches d'os. 14 de dégâts. Ah, c'est mieux que les flèches en ferraille. Tu vois? C'est pas déconnant. Ouais. Ah tiens, ça peut être pour toi peut-être. Je sais pas si t'as mieux, hein. Percutant. Bon, à 25, oui, je pense que j'ai un petit peu mieux quand même, mais voilà, hein. Ouais, Il il reste reste des deux runes, runes à hein. trouver. Ah ouais? Tu le vois où? Ouais, bah regarde la. Ah, il y a deux Regarde. traits. Ouais, il y a deux traits sur quatre. Ok. Ah bah c'est peut-être les mecs à faux qu'il faut tuer alors. Ah, il y a du monde qui est revenu. Oui. Ouais, c'est les mecs à la faux qu'il faut tuer. C'est eux qui ont des runes. Aïe Naze. Lâchez-moi quoi. Barrière déverrouillée. Ah ça, je l'ai vu. Aïe. Putain, comment il s'est énervé, le Jackie. Aïe. Mais oh. Ah. Je vais mourir. Me poussez pas. Heureusement qu'ils sont niveau 10, hein. Ouais, hein. Affût. Par contre, ils me foncent que sur moi là. Bah oui, je vois ça. Bizarre. Non, il me faudra le niveau prochain, mais. Aïe! Particulièrement efficace les flèches contre les squelettes. Bizarre d'ailleurs. Oui. Il y a un TP. Enfin. Ouvrir le sarcophage. Âme découverte. D'accord. J'ai découvert l'âme d'un collectionneur. Ah, il y a de quoi réparer son équipement ici. Ah, ça tombe bien. J'ai pété ma masse. C'était Adley le collectionneur. Un truc comme ça. D'accord. Je vois pas où j'ai rangé son âme. Ou dans le tréfonds. Un gros coffre. Oh. Ça c'est pour toi ça. Ça sent la demain quand même. Hein. Ouais. Mais là il y a un TP. Effectivement, c'est une demain. J'ai vu la vitesse de frappe avec les armes à deux. Eh écoute, moi je te propose qu'on continue cette exploration lors du prochain épisode. On vous souhaite Eh à bien. toutes et tous une excellente...